Ce qui vient en amour pour toi ce week-end. Ouais, je sens hyper bien. Je fais venir la pluie. Pour toi qui es poisson, balance, bélier, cancer, capricorne et gémeaux. Pour vous six, deux vidéos. Ok? Il y a deux vidéos. Donc, pour les six premiers, il y a seulement ceux qui sont abonnés à la page qui l'auront dans son intégralité. Hein? Ok? Capito? Qu'est-ce qui vient à vous en amour ce week-end pour vous six? Tu pourras aller voir ton signe lunaire, ton ascendant. Tu fais bien comme tu en as envie. Bon. Oublie. Sincérité. Bah, tu es dans un cap où ce week-end, tu fais preuve de sincérité. Tu sais que c'est terminé, qu'il n'y a plus rien à espérer. Donc, tu vas à nouveau passer peut-être dans un moment de séduction. Te dire, bah, écoute, je ne vais pas m'arrêter à ça. Je sais que je vaux plus. Je sais que je vaux tellement mieux que, bah, pas que tu vas te mettre à la recherche de l'âme perdue, mais que tu vas te mettre à la recherche. Bah, je vais prendre soin de moi. Je vais me faire jolie ou je vais me faire beau. C'était un garçon, pour en fait avancer vers quelque chose de nouveau. Mais ce qui va un petit peu venir se mettre au travers de ton chemin, c'est que tu vas te sentir fragile. Il va y avoir une approche avec une personne, une nouvelle personne, mais tu ne te sens pas encore. En fait, il y a un truc qui ne va pas le faire. Tu ne vas pas te sentir en harmonie avec ça, tu ne vas pas te sentir en harmonie avec cette nouvelle personne parce qu'il y a eu de la trahison, mais surtout, il y a encore une grande partie de toi qui se sent fragile, qui ne se sent pas prête. Ta tête te dit que tu as envie, ton cœur te dit, ouais, mais qu'est-ce que tu fais? Tu sais bien qu'on n'est pas prêt, qu'on ne peut pas, on n'est pas, ok, stop, ralentis le truc, quoi. Bon. Et en fait, surtout, ça ne sera pas aligné avec toi. Tu vas t'égarer, ça va manquer d'alignement, je pense, je dis, je fais, et tu vas tomber dans ce déséquilibre. Ben, c'est aussi accepter que tu ne sois pas prête ou prêt à repartir, à reprendre une nouvelle relation, en tout cas à recommencer quelque chose relationnellement, amoureusement parlant. Tu vas être en déséquilibre. Donc déjà, ça va être accepter que tu ne sois simplement pas prête, accepter que ben, cette personne, elle est encore présente, quoi. Quoi que tu puisses dire et quoi que tu puisses faire, elle est là et ça demande du temps. Ça demande du temps de faire le deuil d'une relation, ça demande du temps, mais est-ce que tu en as vraiment envie? Est-ce que tu as vraiment envie de faire le deuil de cette relation? Tu vois, il y a encore toutes ces questions qui restent en suspens. Tu as juste envie d'être heureuse, tu as juste envie de sentir ton cœur battre à nouveau, mais tu sens qu'il y a des choses qui te disent, ouais, mais non, je sens que ça va pas le faire, on n'est pas prêt, c'est pas happy. Eh ben, en fait, avance avec légèreté, fais des projets avec toi, concrétise des choses pour toi. Peu importe. Alors, si tu n'es pas prêt, si tu n'es pas prête à vivre à nouveau une relation, à faire de nouvelles rencontres, ben, ce n'est pas grave. Mais le but, ce n'est pas de se forcer non plus. Te force pas à aller vers quelque chose qui n'est pas aligné avec toi. Ça, c'est écouter un petit peu sa voix intérieure, écouter un petit peu ce que ça résonne en toi. Donc, il va falloir que tu écoute un petit peu ce que tout en toi, ton ensemble de toi est en train de te dire. Il y a eu un coup de foudre, il y a eu quelque chose d'intense et tu n'es simplement pas prêt à repartir dans quelque chose d'autre. Donc, soit dans la pertinence de se dire, ben voilà, je peux sortir, je peux profiter, mais j'avance avec légèreté, mais surtout avec prudence. Laisse-toi le temps. Le temps fait quelque chose qui nous fait du bien, et même si parfois on a l'impression que ça met énormément de temps, trop de temps, ben on en a besoin de ce temps pour guérir, pour apaiser nos maux, MAUX, pour comprendre aussi pourquoi certaines personnes mettent plus de temps à sortir de notre tête et de notre cœur. Peut-être que cette personne ne sortira même jamais de ton esprit, si tu es en relation particulière. Ça, c'est une autre histoire. Donc, pour vous six, faites attention et sois aligné avec toi. Allez, on y retourne avec les six derniers. La première vidéo, tu la trouveras dans la section vidéo. Si tu n'es pas abonné à la page, seuls ceux qui sont abonnés à la page auront les 12 signes dans son intégralité. Verseau, taureau, lion, sagittaire, vierge, scorpion. Pour les six premiers, c'est être un petit peu en alignement avec soi. Il va falloir que tu sois aligné avec toi ce week-end en amour parce qu'on sent qu'il y a des choses qui vont se mettre un petit peu en place.
C'est le bazar parce que j'ai pas repris les cartes du premier tirage, tu vois, pour laisser un petit peu les choses se mettre en place. Jalousie, nouveau départ, souplesse, fidélité de cœur et rencontre. Hé, il y a une rencontre là ce week-end, on parle de nouveau départ, mais attention parce que la première carte c'est la jalousie. T'as tellement pas assez confiance en toi, en estime de soi. Je pense que c'est plus ça, que tu as peur ou l'autre a peur que ben, on trouve mieux. Tu trouves chaussure à ton pied et tu sois plus confortable dans une autre chaussure qu'avec celle-là. Pourtant, on parle de fidélité de cœur, on parle de quelque chose de sincère. Mais cette rencontre qui arrive, j'ai envie de dire, à point nommé, jamais rien n'est un hasard, on voit qu'il y a une envie de nouveau départ, mais il faut surtout avancer avec beaucoup plus de souplesse. Accepter qu'il y a encore des parts de toi qui ne sont pas totalement en alignement. Si tu as peur que l'autre trouve mieux ou si l'autre a peur que tu trouves mieux, il y a un problème d'alignement entre deux personnes. Dans le sens où si j'ai pas confiance en toi, c'est que j'ai pas confiance en moi. Il n'est que ton miroir. Donc il va falloir que vous fassiez. Alors, j'ai pas envie de dire avec parce qu'il n'y a pas à avoir de jalousie dans un couple, mais il va falloir faire suffisamment confiance. Si tu n'as pas suffisamment confiance en l'autre, au-delà que tu n'aies pas confiance en toi, ça veut dire que ça va être compliqué d'avancer avec cette personne. Parce que si à chaque fois tu es freiné par un sentiment pesant dans ton estomac, ça veut dire dans ton plexus solaire, siège de l'action, mais de l'inaction, de la confiance en soi, ça va être compliqué d'avancer sereinement tous les deux. Ah ouais, ça va être la crise et ça va être l'échec. Bon. En gros, ce que je suis en train de te dire, c'est que si vous n'arrivez pas tous les deux à dépasser vos propres peurs, vos propres blocages, vos propres pensées, parce que on peut potentiellement penser que ouais, mais j'ai pas confiance en lui, et puis on s'est déjà séparés plusieurs fois, et puis on y est revenu, je suis revenu, on a recommencé, ça n'a pas marché. Si tu es encore dans cette énergie, en tout cas si vous l'êtes tous les deux, vous ne pourrez pas avancer. Soyons bien clairs, on parle de crise et d'échec. Mais n'oubliez pas les promesses que vous êtes faites. N'oubliez pas qu'en fait, rien n'est impossible. Impossible n'existe pas. On parle de regain, de projet, de chance et de permission. Mais permettez-vous en fait de prendre le temps de vous aimer à nouveau ou surtout de réapprendre à vous aimer et à comprendre pourquoi vous avez encore des blocages. Il y a des choses qui ne sont pas encore claires, qui n'ont pas été, des abcès qui n'ont pas été percés parce que on n'ose pas parce qu'on n'a pas pris le temps, parce qu'on profite à nouveau. Peut-être possible. Mais tant que vous êtes dans cette énergie de doute, vous allez, et là on te dit clairement, vous allez vers un échec. Vous allez vous casser la goule, mais vous allez vous faire mal, tous les deux. Et c'est pas dit que vous allez avoir envie de recommencer l'opération une énième fois. Parce qu'on y met du temps, de l'énergie, de l'amour, et tout ça devient de plus en plus compliqué. On arrête avec ça, on arrête avec la jalousie. Si t'es pas prêt, si t'as peur, si l'autre a peur, parlez-vous, communiquez ensemble. Vous trouverez des solutions et on voit que vous pouvez vous donner une chance. N'oubliez pas vos promesses, vos projets. Il y a quelque chose à faire. S'il y a des personnes qui sont immiscées dans cette relation, ben, parlez-en, exprimez-vous. Vous n'êtes pas prêt, c'est pas grave, on prend le temps. Mais si vous avancez tête baissée en se disant mais c'est bon, on fonce et que chacun garde ses doutes et que chacun n'en parle pas, malheureusement, tu vas te casser la goule, mais d'une force, c'est pas dit que tu arrives à te relever. Fais attention, véritablement, fais attention. Force et foi.